À toi de jouer. Ouais, allez, casse-toi! Alors c'est ça, Juno? Non. Il y a un petit village sous la ville citadelle. C'est sous Juno, un modeste village de pêche. Ces enfoirés de la Shinra, faut toujours qu'ils se placent au-dessus des autres. C'est partout pareil. Attendez un peu. Bienvenue à Sujuno, le village où le soleil ne brille plus. Je m'appelle Ronda. Je suis le maire et la chef de la milice. Avalanche, hein? Et si c'est le cas, tu vas faire quoi? Déjà, je pourrais vous dénoncer à la Shinra. Ça me ferait 100 000 guilds, rien que pour toi. Tu sais, si j'étais toi, je crois que je m'abstiendrais. Iris, n'est-ce pas? Toi, c'est 500 000 guilds. Donc ça? Heureusement, je suis plutôt douée pour fermer les yeux. Vous n'avez donc rien à craindre de moi. T'essaierais pas de nous tendre un piège, là? Renseigne-toi sur notre histoire. Tu verras bien que c'est pas le genre de la maison. Si vous êtes pas content, fichez le camp. L'auberge est par là. On y voit rarement des clients. Il n'y aura donc personne pour vous déranger. Vous auriez pas vu des gens portant des manteaux noirs? Ça ne me dit rien, non. En revanche, j'ai vu des gens en costume noir. Il y avait deux hommes, ainsi qu'une femme. Tiens donc. Ils ont pris cet ascenseur pour aller en haut. D'accord, je vois. Qu'est-ce que tu manigances, toi? Vous le savez peut-être pas, mais cette forteresse là-haut appartient à la Shinra. Et l'ascenseur est réservé à ses employés. Il se prépare quelque chose là-bas. La sécurité a été renforcée et tous les gardes sont sur le qui-vive. Si jamais il arrive quelque chose au village à cause de vous, c'est à moi que vous aurez affaire.